Afamban lonareo fampanantenana nataony dia nitondra fanazavana bebeko ny filohan'ny federasiona malagasy ny titaranja baolina kitra ity izy sy anko ny tale general ny onasa Airtel Madagascar ny Airtel Madagascar izay manohana moa ny baolina kitra vehivavy eto antsika resaka izay ny fanaovana tamin'izy ireo nandritra izay lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fifaninana ity izay ihany tamin'izy malasa teo Amba ny fanapaha-kevitra pouvoir de décision anay fédération iny anay comité exécutif fa ireo mpanazatra no zay koa moa ny andraikitra an'zareo mametraka planning de préparation ohatra ny ny obligé anay an'zareo tamin'ny ekipam-pirenena senior hoe ataovin'ny planning avy alao anjaran'ny fédération no milaza hoe sitratra anay ity raha ataontsika planning de préparation pendant 100 jours mitadiavina avy alao ny fédération no manapaka hoe tsy manana moyen pour 100 jours zahay na tsy ampy fotoana anambatsika compétition hafa pour 100 jours ka mba réduise avant zao fa ny teknisianina tokony anana ambolohany foana izy hoe mitady maximum de condition de préparation tokony tadiavina ce qui n'est pas le cas nefa amitsika eto asa ngamba tsy voa elingeliny mpanao gazety ohatra ny ataony an'le comité politique raha zareo de libre izy moa teny atao fa zay ny angatahntsika zay ny éducation zay ny formation tokony apetraka eto amintsika ny tompony andraikitra tsirairay tokony masa mitazona any ndraikitra sahany ka izay no tokony apetraka atsika fomba fiasa zay hoe an'zareo io amendreo anay aizan'ny préparation amzay anjarany araka nyresan'ny dégénter de RTL teo hitanareo anjaranzareo amin'izay ny manome anay anjaranay ny resaka amin'ny tompony andraikitra samihafa na ny secteur privé na ny fanjakana amin'izay mety azo atao ny fanomanana ny échéance andriamatofolo akoatra ny ekipam-pirenena malagasy azavavy ahoana mikasika ny lehilahy miasika ny lehilahy dia ohatran'izay koa efa mipetraka iny manana planning de préparation tokony atao eto an-toerana ary za ngamba vo malomaly any vorita miaraka amin'ny vice président ko anakiroa sy mandalo fédération vitsivitsy niverina avy any amin'ny réunionny confédération africaine de football tant que membre ny comité exécutif de fa mametraka zao nametraka directeur technique national nantsony teo koa hoe ahoana raha teanao tsika ny kany 2017 eo amin'ny senior inona ny tokony atao deny zao tsy tokony andry amitaonao avy satria raha teanao an'io tsika roa ihanyny zao fantatrareo tsara fa ekipa pirenentsika amin'izao fotoana amizao ny ankamaroanreo mpilalao reo efa tonga amin'ny maturité de 26 ans eo io koa moa adino io fa io no tena maturité ny mpilalao io eo amin'ny 26 manomboka 25 26 ans 27 ans eo ny maturitena raha hitanareo komantsy misongadina daoly reo tanora kelytsika zay nahazo cosafan 2005 zareo histoire ohatra bolide en forme maximum en forme ny zao raha ambelanao 3 ans 4 ans iny efa midina ny performance pola any algérie zany amin'ny constantine mahazo vaovaony zao momba an'izay i carolus amin'izao fotoana zao ibrahima amin'izao fotoana zao miakatra ary vidiny ekipa anankiray manao ligue des champions any algérie izy fantatsika tsara fa championnat professionnel championnat any any algérie matoa demi finaliste zao ny city fa amin'izao fotoana zao tsy fantatra moa résultat afara amin'izay fa demi finaliste any championnat d'afrique izy ligue des champions africaine ka io dia tsy maintsy mitaky condition bebe io ohatra ny nataon'ny fédération tamin'ny taona lasa iny fa tsy ampy moa reny satria misy journée fifa anakoza alohan'ny mois de mars 2015 or ny préliminaire dia any amin'ny mois de mars 2015 za mba misitona antsika foana hoe tsy mba eritreretitsika moa ve raha ohatra polince bolide teo tamin'ny nanao matry tsika contre ouganda ary tsy vitanjany raha teo reo fa raha ataotsika mbola niay ny mpanazatra koa nanao an'iny ny nigere aniny matsy iny tsy fahaizana ntsony fa nigere fotsiny an'le matsy ngamba hitanareo ouganda ekipa ohatra ny ouganda mettre en difficulté any ghana tarany faranteo anahany a ghana en plus aiza hoeza zany tokony nivotsika c'est là le niveau ny football fa tsy hoe jerena fotsiny fisiny résultat le résultat nge antony maro ny mahatonga an'iny fa ny valeur an'le football iny hitatsika azy la population auprès des jeunes et
auprès de la gente féminine en général. Uh-huh. Tout ça pour pouvoir être fidèle à notre engagement et à notre slogan qui est connu de tout le monde maintenant, Madagascar, mon pays, RTL, mon réseau. Comme je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, à l'issue de cette compétition, naturellement, les autorités compétentes du football, notamment la direction technique nationale, vont pouvoir en sortir de là avec une sélection. Et justement, nous nous engageons à pouvoir justement préparer cette sélection à travers des matchs amicaux, parce que vous savez, l'expérience naît uniquement de la confrontation et des compétitions avec les autres pays. Donc voilà, en fait, pour confirmer un peu notre engagement tout à l'heure. Mais tout ça, ce sera à l'issue de cette compétition. Peut-on savoir la préparation de l'équipe nationale malgache ici à Madagascar ou à l'extérieur? Je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Laissons d'abord la place au tournoi qui va commencer maintenant. Et à l'issue de ce tournoi, il y aura une sélection des talents qui va constituer en fait l'ossature de l'équipe nationale. Et ensuite, je laisserai la parole à la Fédération Malagasy de football de pouvoir vous en dire plus par rapport aux modalités techniques et pratiques pour la préparation de cette équipe nationale. Je pense que c'est trop tôt pour le dire.